Voilà Ayouba qui a été arrêté. Parce que Ayouba a raté sa mission. Voilà pourquoi le gouvernement de Côte d'Ivoire a arrêté Ayouba. Voilà. Sinon, Ayouba, il connaît Kouyaté, c'est-à-dire le patron de CCDO. Il connaît bon, j'ai pas dit que Alassane le connaît. Voilà. Mais Ahmed Bakayoko le connaît. Kouyaté le connaît. Mais comment ça se fait que ce gars-là, il a photo avec tout le monde? C'est le patron de CCDO, c'est-à-dire le bras mort même d'Ahmed Bakayoko. On vient nous dire aujourd'hui que le gars, il est sans matricule. Mais en disant ça là, vous êtes en train de dire aux gens que, ouais, que l'armée même là, on ne doit pas prendre ça au sérieux. Parce que n'importe qui peut se lever aujourd'hui, aller acheter quelques tissus là, et puis il va venir intégrer l'armée là. Ce qu'ils sont en train de faire là, ce qu'ils sont en train de préparer là, Dieu merci que Kouassi a déjà cassé Papo là avant. Que ouais, son nom était cité pour dire ouais, il va aller déposer les armes chez Guillaume Soro. Sinon, ce qu'ils sont en train de préparer là, mais c'est mort. Ce gars là, Guillaume ne le connaît pas, Soro ne le connaît pas. Guillaume Soro ne le connaît pas à talon, il n'a jamais vu même. Donc, si vous voulez le torturer là-bas là, faites tout ça là. Mais ce gars-là, le jour, il va dire, ouais, non, il est le petit de Guillaume. C'est ce jour-là, on va vous insulter, vrai, vrai, là. Parce que, il faut pas se foutre des gens. Voilà. Il faut pas te foutre des gens. Car le passé, c'est trop compliqué, non? Nimi, il aime l'endroit. Il va t'aller de Dokofero, là. Et puis, ils vont dire, tu n'as pas raison. Donc Ayouba aujourd'hui a été arrêté parce qu'il a raté sa mission quand il l'a envoyé là. Lui-même, il n'a pas su s'envoyer. Sinon, Ayouba, c'est quelqu'un qui est connu. Et tous, ils le connaissent. Parce que quand tu regardes les photos, c'est pas un inconnu. Ahmed Bakayoko le connaît très bien. Parce que mission qui a été confiée à Ayouba là, il a fait appel téléphonique qui a été enregistré. Voilà pourquoi aujourd'hui, Ayouba est mal vu. Ils l'ont arrêté pour ça, pour dire non. Voilà, c'était un escroc. Il a bouffé l'argent des pèlerins. Il a fait ça. Et il vend voiture. Il est sans matricule. Pourtant, le patron de CCDO. Mais attendez. C'est-à-dire, dans l'armée, pour moi, dans l'armée là, tu vois quelqu'un une fois, deux fois, jusqu'à vous porter boubou même, ensemble, aller faire photo. Qui est respecté les gens. Respectez les gens. Ne venez pas vous foutre de nous pour dire non. Voilà, c'est un voyou. Il est sans matricule. Mais s'il est sans matricule là, et puis vous avez travaillé avec lui, le gars, il est partout. Même, il roule même dans la plaque jaune. Et vous voulez nous faire croire que non, ce gars-là, voilà, on ne sait pas où il est quitté. C'est pourquoi c'est son nom. Au moins, ils ont cité son nom dans l'affaire. Allez mettre les armes chez Guillaume Soro là. Mais c'est à ce moment-là, vous l'avez arrêté. C'est bizarre, hein? C'est trop bizarre. Hey, non, voilà, je comprends pourquoi c'est 20 minutes là. Yeah! Ouais, je comprends pourquoi c'est 20 minutes. Ni ben Mobri. Après. Toi, faut pas rentrer dans mon Nariano ici, hein. Je suis pas pédé, moi. Tu vois, c'est tellement bizarre que ouais, au moment, ils ont cité le nom d'Ayouba et c'est à ce moment-là, Ayouba a été déclaré escroc. Pourtant, vous avez travaillé avec lui. Bonsoir, Da Silva, bonsoir tout le monde. Vous avez travaillé ensemble. Donc, aujourd'hui, il est devenu le Tieni Mango. C'est ça. Et puis, je vois des publications. Je vous ai toujours dit, quand moi je fais vidéo là, on appelle ça Yougou. Je vois des gens qui disent non, voilà, Guillaume Soro, il n'était pas présent quand le corps du père d'Ambak arrivait à Abidjan. Voilà, il n'était pas là.
pourquoi il n'était pas là. Je vais vous expliquer, parce que vous avez posé question. Même si ce n'est pas question là, moi-même là, je vais vous expliquer, je vais prendre mon courage. Vous savez, quand le décès du vieux a été annoncé là, Guillaume Soro, il a pris son courage. Parce qu'Ahmed Bakayoko, il le considère comme un frère, un ami. Il a présenté ses condoléances à la famille de Ambak. Je crois deux jours après, ou trois jours, ils ont sorti une liste où les gens sont bien listés dedans, qui sont invités au funérail du père de Ambak. Que son âme repose en paix. Alors, tout le monde a vu, hein, ils n'ont pas mis le nom de Guillaume Soro dedans. Ils n'ont pas écrit le nom de Guillaume Soro dedans. Voilà pourquoi Guillaume Soro il n'est pas venu. Moi, je félicite ce qu'il a fait là. C'est ça, on dit, on est un homme. Parce qu'il n'était pas obligé de présenter ses condoléances. Mais à partir du moment où le gars il le fait là, parce qu'il s'est dit que ouais, c'est un papa à lui aussi. Et vous sortez une liste comme ça, où il n'y a pas son nom dedans. Peut-être dans vos milieux là, c'est pas comme mosquée, c'est pas église. Pour dire non, tu n'es pas invité, tu viens, on te donne une chaise là-bas. Non, il n'est pas invité là, il ne peut pas venir. Guillaume Soro n'a pas été invité, donc il ne peut pas venir. Moi je trouve qu'il a raison. Et il a raison, parce que imaginez-vous, il vient et puis on lui dit non, Joe, voilà, on ne vous a pas invité. Ils vont dire quoi après? Hein? Ils vont dire quoi après? C'est pour dire, ouais, Guillaume, il pensait que ça là, ouais, dans le truc de papa d'Ambak là, on l'a recalé, on l'a chassé, comme ça, mais jamais de la vie. Guillaume, il a très très bien fait. Tu n'es pas parti, parce qu'il n'est pas invité. Guillaume là, quand on dit les chefs de Côte d'Ivoire là, si on fait un, il est deuxième. Si on compte à partir de 1 là, il est deuxième. Et c'est vous qui allez venir faire un truc où le monsieur n'est pas invité parce qu'il cherche trop non quoi. Non qu'il a cherché depuis là. Aujourd'hui là, il n'est pas respecté. Donc il ne cherche plus non. Il ne cherche plus non. Voilà, il faut que amenions au bouillon. C'est comme ça la vie. Quand on te respecte, tu respectes. Quand on ne te respecte pas, bah, tu ne respectes pas. C'est comme ça, moi je vis comme ça. Ah tiens, on ne se connaissait pas aujourd'hui. Tu vas même inviter des gens même qui ne sont même pas du pays, même ils sont quittés à l'étranger, même venus. Mais président de l'Assemblée nationale, tu as oublié, tu ne l'as pas invité. Tout le monde a vu la liste. Guillaume Soro, en tout cas, tu as bien fait. Là, prochainement, là, même s'il y a baptême quelque part là, s'il soit une liste là, ils vont mettre ton nom. Tu as très très bien fait. On dit que c'est l'homme même qui se fait respecter. Il m'a dit à fils à l'aïrele. Qu'est-ce que c'est quoi ça là? Pourquoi tout ça là même? Pourquoi tout ça là? Mais je vous dis quelque chose, hein. Vous voulez où? Vous voulez pas où? Vous voulez où? Vous voulez pas où? Asona, Amason. Ce rôle là, c'est que Dieu a tracé pour lui là. C'est pour lui. Personne ne peut prendre ça. 2020 là. On est calé dans son cargo derrière. Et puis allons, à nous aller. On est devant. Donc ceux qui disent de n'importe quoi pour dire non, il n'est pas venu, il n'était pas là-bas. Il ne peut pas venir. Parce que ce n'est pas un poussin de Wotro. Ou bien ce n'est pas un gars comme Amiral Blendon. On va. Même moi-même là, toi m'a dit même là. Moi, tu ne m'invites pas dans ton truc là. Je ne viens pas. Même si tu es mon grand frère qui m'a fait venir ici là. Même si c'est lui. Ça dit, il ne m'a pas respecté. Pas. On dit le respect là. Quand tu donnes là, on te rend la monnaie. Ah petit, voilà, il y a ça là, il y a ça là. Donc je veux que tu sois là. Mais si vous ne faites pas ça, vous pensez que moi, Don Madou, il y a me lever et partir. Jamais de la vie. Il y a des gens qui disent non, c'est parce qu'il était au nord, il ne pouvait pas. Il pouvait venir, il y a Eliko, non? Il pouvait venir. Mais le fait qu'il n'a pas été invité là, laissez le voyer là-bas, là, nous tu ménages, j'allais l'allumer quoi. Parce que tu es un chef. Ils ne vont pas te prendre comme ça, comme chaussure. Tu es un chef. Mais il a eu la chance, comme il est intelligent là, il sait que s'il partait là, moi je n'allais pas aimer. Donc il n'est pas parti.
Ah, j'allais l'allumer d'ailleurs. Tu m'as allumé, il irait lui-même. J'allais pas jouer à ça. Qu'est-ce qu'elle a fait ça? Et puis je vois encore affaire de Burkina là. Ils sont en train de parler de ça façon. Soulevez, affaire de Burkina là, soulevez. Allez là-bas. Et puis on va traîner ça ensemble. C'est ce que je vous dis à la Saint-Ouattara là. Il ne protège pas Guillaume Soro. Hein. Voilà, il ne le protège pas. C'est parce qu'il ne sait pas quoi faire. Sinon, à ta protéger là, moi je vous dis ça. Et c'est que il ne protège pas Guillaume Soro. Sinon, s'il le protégeait là, sur le dessous là, tu n'as pas la là. Tous les amis de Bébé Tola, ils n'allaient pas les chasser. Donc, ils ne protègent pas Soro. Donc, ils sont en train de parler à faire de Burkina là. Laouri. Si c'est Soro qui a donné les 88 millions là, on va voir. C'est-à-dire, Laouri, il reste. Parce que ça m'énerve tellement. Non. À ben dimna nyama, à la crène les galons. Non, si vous n'avez rien à dire là, il est mieux que tu regardes publication des gens et puis tu t'assois. Viens pas écrire de n'importe quoi pour dire non, il n'était pas à l'aéroport quand le corps du du père d'Amber Med est arrivé. Lui, il n'était pas là-bas parce qu'il n'a pas été invité. C'est pas mosquée, c'est pas église aussi. Pour dire non, tu viens, voilà, on te dit bon, t'es à ce qu'il y aura. Non. Hey. Non, Soro, en tout cas, tu as eu log, hein. Voilà, tu as eu log. C'est pas ni tout le temps là. Parce que j'attendais, oh. Parce que j'ai vu la liste là. Mais comme tu n'étais pas dedans, c'est bon. Tiens, on a vu, tout le monde a vu. Pourquoi aujourd'hui là, on te traite de rebelle, de chef rebelle? Tout le monde a vu. Tu as donné tout à ceux-là. Aujourd'hui là, tu es maltraité, non? Tu as tout donné, tout. Ika Petioma. Tu as donné ta poitrine, ta vie, tu as donné. Mais aujourd'hui là, au flet, au bimle la nyam, mais ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Foi, tu sais la foi. C'est pourquoi eux-mêmes là, ils ont eu honte, ils ont attrapé Ayouba. Ayouba là. Ayouba, c'est pas quelqu'un, ça dit, c'est pas un inconnu. Hein. Ayouba, il est connu même. Oya m'a relevé Ayouba. Hein. Comme lui aussi, Babou a dit, quand on t'envoie là, il faut savoir s'envoyer. Lui, il a joué les moutons. Voilà, il l'a attrapé. C'est pourquoi j'ai dit au chef de guerre là. Eux tous, ils n'ont qu'à faire attention. Parce que lui qui a erré, après, ça serait toi-même ton tour. Ah, n'est-ce pas, Dogodé? Moi, je ne cache pas ça. Hein. Ah, parce que c'est un truc tour à tout. Voilà, quand ils vont vous envoyer là, tu reçois ta mission, oh, tu es un homme à battre. Tu ne reçois pas, oh, tu es un homme à battre. Donc, Ayo Black Kungro là. Voilà. Ayo Black Kungro là. Donc les gens qui sont là en train de dire de n'importe quoi, non, pourquoi Soro il n'était pas à l'aéroport. Soro il n'était pas invité. Donc il ne pouvait pas venir. Voilà. Il ne pouvait pas venir parce qu'on a vu. Dès que le monsieur a perdu son papa là, il a présenté ses condoléances à la famille. Après, deux jours après, ou bien une journée après, on a vu une liste où les gens, où il y a les noms des gens dedans. Mais Guillaume Soro là, ils n'ont pas mis son nom dedans. Et vous voulez que ouais, Abé Ouri, Abé Tassiro là quoi. À Teta Yoroshi, il ne bougeait pas. À Sainte bougeait. À Sainte bougeait. Okay. Il est notre patron. Non, il est moi mon ami, voilà. Il est moi mon ami. Donc il ne bougeait pas. À Teta Yoroshi, à quand il reste. On a qu'à se respecter quand même. Oh, c'est quoi ça? Après tout ce que Soro a fait, bon, tu as les demandes. Et puis non, je vous annonce aujourd'hui, moi je suis déjà au courant de ça. Soro là, 2020 là, il est candidat. Prenez pas ça pour un jeu, je m'amuse beaucoup. 2020 là, il est candidat parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il est candidat. Si Alassane il veut, il n'a qu'à se présenter. Bédier veut, il n'a qu'à se présenter. Guillaume là, 2020 là, il est candidat. Et puis on a élu, il va gagner aussi, Inch'Allah. Vous pensez que Mourola il est simple? Guillaume là, avant de mirer à la queue, c'est un gars comme ça. Vous pensez qu'il est simple? Ah.
Lui là, il a secret de Dieu. Dieu même là, il a donné secret comme ça. Il dit petit, prends ça là. L'histoire de Soro là, si vous connaissez là, il n'y a mouroté, imbécile. Tu es fou ou quoi? Les petits blancs là, ils sont tous embolis ici. Là, je me retrouve au diable, vent. Il y a ce que tout, c'est-à-dire, il y a tout ce que le gars a fait pour eux. Mais aujourd'hui, là, non, quand tu dis à Alassane aujourd'hui qu'il est chef rebelle là, non, il peut même te tuer pour ça même. Mais Guillaume aujourd'hui là, lui, il est traité de chef rebelle, il dit rien. Lui, au contraire, même là, il demande pardon aux gens. Allez voir Fomoro, ma quoi, Samari. C'est moi, j'ai gâté. Parce que les responsables, là, eux, ils ont fui leurs responsabilités. Pourtant, Anga a perdu le golf là. A perdu le nom. Que non, Soro, c'est un rebelle. Non, allô, t'es rebellé. Vous là, vous avez quitté la mec directement. Et puis, ah non, non. Vous n'êtes pas. Allô, t'es rebellé. Vous l'avez rebellé. Ajoutez-vous. Vous avez raison. Vous avez raison. Soro aussi, bon, comme c'est un homme de parole là, souvent quand il y a un foule sur lui, il dit non, c'est pas la peine. Ça sert à rien que je parle. Voilà. Sinon, en 2010 là, mon frère, tu t'es retiré même de tout même. Tu dis à régler ça entre vous là-bas. Mais Guillaume, il n'a pas trahi Gbagbo. Il allait voir Gbagbo. Il a dit, ah, monsieur le président, les résultats au dehors là, et puis ce que vous avez ici là, c'est pas la même chose. Au dehors là, on dit que vous avez perdu. Voilà. Au dehors là, on dit que vous avez perdu. Voilà. Donc pour moi, c'est-à-dire s'il ne partait pas voir Gbagbo, voilà, pour moi, j'allais dire qu'il est traite. Mais il paraît que Gbagbo lui a dit, hé, Joe, faut prendre pouvoir là. Sinon, à lui que tu vas aller remettre là. Ah, après là, tu vas avoir chaud, hein. Et c'est dans ce chaud là, on est là. Tellement Gbagbo, il connaît Alassane Ouattara. Parce que tout ce que Gbagbo a dit là, hein, tout ce que Gbagbo a dit d'Alassane là, on voit tout aujourd'hui. Tout, on voit tout. Pourtant, c'est hier là, c'est nous, on criait. Alassane ou rien, Alassane ou rien. Mais aujourd'hui là, on voit tout. On va payer là, après tout. Ali Kele Amadien. Vous voulez qu'on reste dans ça? Alassane Ouattara hier, ou bien le 12 là, à l'Elysée là, il a dit, tout va bien au pays, c'est vrai. Dans le gouvernement là, tout le monde a l'argent, tout le monde mange bien. Mais il ne parlait pas du peuple, mais c'est nous on confond. Lui, il parle de ses amis, il parle des ministres. C'est tout. Par exemple, ils sont en paix, ils ont les gardes-corps, ils ont tout, avion, bro, tout ça là. Mais il faut être à nous, bro. Nous, on a les microbes là. Donc, nous, c'est demander, eux, ils voient le pays là. Nous, on ne voit pas ça comme ça. Eux, voyez, non. Sinon, il a dit ici. Sinon, même Donald Trump ne peut pas dire, ouais, aux États-Unis, tout va bien. Donald Trump là. Même Macron ne peut pas dire ça. Mais Alassane a dit ça. Devant tout le monde. Vous savez, c'est des choses, non. Quand on parle là, surtout quand on est responsable, on n'a qu'à faire très entendre. Et puis quand vous regardez bien la vidéo d'Alassane là, Wale Bile, c'est comme si, c'est-à-dire quand tu regardes même là, quand tu regardes son visage là, André il se moque de nous. Wale Bile, parce que quand il dit là, genre les rires moquent façon là, mais c'est pas bien. Toi tu vas dire que, ouais, que tout va bien au pays. Hein? Qu'est-ce qui va bien au pays? On peut pas, c'est-à-dire qu'il est interdit qu'il ne faut pas te critiquer. Nous mais on te critique là, c'est parce que nous on est ici. Sinon, depuis au Koutre, Abidjan, depuis au Koutre, je vois des gens, ouais, tu fais vidéo là-bas, tu as grande gueule, nanana. Alassane était où avant? Attendez, hein. Quand il parlait là, il était où? C'est quand il a vu que voilà, il y a des gens là-bas qui sont prêts pour le protéger là. C'est là maintenant qu'il est rentré. Sinon, Alassane Ndesso, Atma Bori. Donc, ceux qui disent, ouais, que viens ici là. On va faire comme Alassane. Quand tout va s'arranger là, on va venir. Voilà.